cette année. Pour la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta. J'ai bien dit pour la première fois. Il va y avoir des saucisses. Oh, misère de misère. Wow. Partout à qui. Je sais pas si c'est bien. Ouais. Je suis inquiète. Loïc, vous êtes le petit jeune de la bande. Of course. Ta gueule. Allez, amis. On est ensemble, les gars. Attention, 3, 2, 1, go. Allez, on go. Allez. Wallah, c'est trop nul de pourrir. Wallah, c'est pourri. Genre les gens, ouais, tu cours, t'évacues le stress. Évacue de quoi, là? Je suis encore plus stressé que tout à l'heure. Wallah. 50 kilos, alors que les violets sont 4 et les deux garçons foncent encore. De gland. L'équipe du Nord éliminée. Ras le cul. Il y en a marre. Jamais je vais gagner. Jamais. Les gens du Nord ne... Laurent, qu'est-ce qui s'est passé dans l'équipe de l'Est? Eh, va enterrer ta grand-mère, va, fils d'enterrement. Côté violet, il y a un choix à faire. Ça peut être une bonne tranchée, moi je m'en soucie. Moi, je vais dire que c'est pas pour ses performances physiques, parce qu'elle est pas meilleure, elle est pas plus faible, mais elle me saoule. Cette nana et moi, ça passe pas. Elle fait que répéter bêtement ce que tu dis. Oui, oui, je suis d'accord, oui, oui, je suis d'accord, Benny, oui, oui. Rien à foutre. Tant qu'elle baise. Y'a pas une chaussette, là? Oh là, y'a pas de chaussette. C'est fou ce qu'un premier conseil peut modifier les relations au sein d'une tribu. Réfléchissez évidemment à votre avenir personnel, mais à l'avenir de cette tribu du Nord. Et Fabrice, vous êtes le premier à aller voter. Allez-y. Comme on dit, on ne tue pas la peau du moine avant d'avoir habillé l'ours. Non, c'est pas ça ce que je raconte. Avant le dépouillement, est-ce que quelqu'un souhaite... Pose pas de questions, il n'y aura pas de réponse. Ok. Tout de suite, le dépouillement. Des saucisses. Mais c'est quoi ce rafut, bordel? Marie-France. Marie-France, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Marie-France, les aventuriers de la tribu du Nord ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Va niquer ta grand-mère qui s'appelle Jean-Marc. Protégez-vous, soyez méfiants. Pas trop méfiants, mais soyez méfiants. Donc pif, c'est le vélodrome, espèce de grosse salope, va. Merci. Pourquoi? Marie-France s'en va, amère, la bouchère du Nord est vexée. Prêt? Prêt! Attention, pour le premier relayeur et donc le premier sac, 3! 2, 1, go! Allez, go, 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 a few moments later. Le chômage, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Sébastien a sauté en France. Ben ouais. Logique. Je profite. Tout de suite, le dépouillement. Sébastien. Vos grand-mères, les gameuses qui sont allumeuses et qui se font niquer par une Game Boy. Voilà. Sébastien. Nique ta grand-mère, le milkshake. Voilà. Sébastien, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau J'suis et venez me rejoindre. Je suis calme. La conne de vos grand-mères, les fenêtres. Qui se conjugue au verbe être. Voilà, niquez vos grandes sœurs, les faux folles. Ta grande sœur, c'est un grand frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, certes, soit, ainsi soit-il, j'aime bien avoir des rapports sexuels avec des personnes féminines consentantes et toutes nues, ouais. Dans nos rues, toute cette merde, ça fait qu'un banal, c'est l'enfer en mieux. Je croise les doigts pour les miens. Tu te fais arracher ton sac comme tu te fais endormir ton feu. Les rapports se passent au volant. Tu passes du ref à ami. Tu passes du ref à ami. Si je vois trop tes yeux sur mon bif, 9.